Cisin Pointe du Raz est un territoire exceptionnel. Il recèle des sites grandioses, tels que celui de la Pointe du Raz, classé site national de France. C'est un territoire magnifique. Sa nature préservée est florissante. Son patrimoine est attachant. C'est un territoire extrêmement accueillant. Oui, si vous ouvrez la boîte, elles sont pas là. Il offre un merveilleux cadre de vie. C'est un territoire maritime, baigné par la mer d'Iroise. C'est une péninsule, mais elle est évidemment périphérique de la périphérie de la périphérie. Nous sommes loin du centre. Ce territoire est desservi par un réseau routier inadéquat et un réseau ferroviaire inexistant. Cette situation empêche le développement d'activités économiques nécessitant le transport de marchandises. À titre d'exemple, nous sommes ici sur le port d'Audierne. Et les pêcheurs, tels que celui qui arrive, ont toutes les peines du monde à acheminer leurs marchandises sur les différents marchés en France. Le futur économique du Cap Cisin passe par le développement du numérique, tel que l'infographie, le développement de sites internet, le télétravail. À titre d'exemple, nous sommes ici chez Julien Cadillac, monteur de films. Les activités numériques sont non polluantes et respectueuses de l'environnement. Elles génèrent le plus souvent une forte valeur ajoutée. Les nouvelles familles qui s'installeront pérenniseront les écoles et les services dans les villages. Il faut garantir les performances et la fiabilité du réseau Internet. Pour cela, il est nécessaire de mettre en place un plan fibre pour le Cap Cisin. Moyennant cela, le Cap Cisin aura les atouts pour devenir un pôle de développement d'activités numériques.